We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour à tous. Nous nous sommes rassemblés ici pour parler de l'inclusion et du rôle des plateformes digitales. Et nos panélistes, nos intervenants, j'espère, vont nous conduire à des conclusions constructives au sujet de l'économie et du fintech, ainsi que des plateformes sociales et du rôle des plateformes numériques en matière de création d'un cyberespace libre et sûr. Nous avons aujourd'hui de nombreux panélistes, en fait 10 personnes, donc quelques personnes pour chacun des panélistes seulement, pour qu'ils puissent s'exprimer. Je voudrais maintenant transmettre à nos auditeurs que nous avons avec nous Mme Simonetta Sommaruga, qui est à la tête du département fédéral suisse de l'environnement, du transport, de l'énergie et de la communication. Nous avons aussi M. Roberto Viola, qui est directeur général du directorat général pour la communication, le réseau, le contenu et les technologies de la Commission européenne. Nous avons aussi Mme Michelle Bachelet, haute commissaire de l'ONU pour les droits humains, droits de l'homme, ainsi que Mme Malabajit, qui est représentante du secrétaire général en matière de violence envers les enfants. Entre les panélistes, nous avons aussi M. Koudanguiu, qui est directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et pour l'agriculture, ainsi que M. Massimo Torrero, qui est le grand économiste du FAO. Je souhaite bien M. Anatofik Jalassi, j'espère que j'ai bien, M. Tawik Jalassi, j'ai bien prononcé son nom, assistant directeur général pour la communication et l'information dans le cadre de l'UNESCO. Nous aurons en ligne M. Josh Calmer, qui est chef du département du Global Public Policy chez Zoom, ainsi que Wendy Hui Kong Chun, qui est chercheuse dans le cadre du programme 150 Research Chair, ma collègue, ainsi que Madame Nayad Dad, qui est membre du directoire de Facebook, du conseil d'administration. Pourquoi tous ces panélistes ont décidé de rejoindre ce panel ici qui a lieu aujourd'hui ici à Katowice en Pologne. Nous sommes ici parce que toi et toi, là-bas, nous tous, nous méritons de voir vivre, habiter, travailler dans un environnement sûr et amical. Ceci concerne aussi la vie en réseau, surtout aujourd'hui, puisque la pandémie nous a forcés à vivre, travailler et étudier en ligne. Lorsque nous travaillons, vivons, étudions en ligne, l'accès libre à l'Internet, la liberté de l'expression, la sécurité, les questions privées deviennent des droits digitaux. Les droits digitaux sont en même temps des droits de l'homme. Évidemment, lorsque je pense aux droits de l'homme, je pense immédiatement à ces pauvres réfugiés à la frontière polono-biélorusse qui gèlent là-bas dans la forêt. Et j'espère que mon gouvernement, l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies très rapidement feront quelque chose pour remédier à cette situation. Mais quand je pense à la violation des droits de l'homme, je pense aussi à la violation des droits numériques. Par exemple, dans ce contexte, je pense à une étudiante égyptienne très jeune qui, pendant 22 mois, a
a séjourné en prison. Pourquoi? Parce qu'elle a posté un commentaire sur Facebook. Je pense aussi à Julian Assange, qui a été persécuté parce qu'il avait révélé certains crimes de guerre. L'ancien représentant des Nations Unies me vient à la tête aussi, le rapporteur spécial qui faisait un rapport sur la liberté d'expression. Je pense aussi à Radishi, une jeune fille qui a été emprisonnée aussi pour ne pas pouvoir aller à la conférence de Glasgow. Je pense donc au monde numérique dans lequel, trop souvent, nous voyons des persécutions par exemple de femmes, de femmes journalistes. Parce que je me rends compte de toute la violence envers les, et d'abus envers les enfants. Et en fait que la traite des blanches utilise des outils numériques, je suis vraiment effrayé. Je sais que la pandémie a fait que de nombreux pays ont commencé à justifier la collecte de données injustifiées en utilisant les technologies basant sur l'intelligence artificielle. Ceci doit finir. C'est pour cela que nous sommes ici. Avant de demander à M. Roberto Viola de prendre la parole, représentant la Commission européenne, j'aimerais souligner qu'après avoir établi les premières règles concernant la justice et la transparence de l'activité économique en ligne, la Commission européenne a proposé en décembre 2020 de nouvelles règles concernant les plateformes numériques. C'est un nouveau paquet de services numériques qui tendait à créer un espace numérique plus sûr où les droits essentiels sont respectés et qui constitue un espace juste pour l'activité économique. Je m'excuse pour mon accent en anglais. Comme vous vous doutez bien, je suis italien et l'anglais n'est pas ma langue maternelle, mais j'espère que je me suis exprimé clairement. Maintenant, je pense qu'il est temps de passer la parole à M. Roberto Viola. Merci. J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez. Oui, nous voyons bien. C'est un grand plaisir, M. Viola, de pouvoir vous écouter. Je vous remercie de m'avoir invité pour ce panel. C'est un panel très important, certes, qui concerne le nouvel ordre mondial. J'espère que dans ce monde de faits, le monde de l'Internet, vont nous dire qu'il y a longtemps, longtemps, il n'y avait pas d'Internet. Et nous ne voudrions pas qu'une telle chose se répète. Notre objectif est de garantir la démocratie dans l'espace de l'Internet. En particulier, nous devons définir des principes très clairs qui mettent au centre l'homme. Nous devons le dire clairement, les droits de l'homme doivent être respectés. Les libertés humaines et les droits de l'homme doivent être au centre. Telle devrait être la signification de notre décennie numérique. Et nous devons tendre à ce que, jusqu'à 2030, cet espace Internet soit un espace démocratique, que nous puissions utiliser les ressources de l'Internet. Évidemment, il ne s'agit pas seulement de déclarations vides de sens. Nous devons présenter des actions législatives très claires pour pouvoir réaliser cette vision. Je voudrais vous dire maintenant qu'il y a une semaine, on a adopté une nouvelle loi en Europe que nous appelons Data Governance Act. Cette loi concernant la gestion des données, pour la première fois en vérité, crée un espace de gestion de données publiques. And
Et c'est une loi qui va maximiser, j'espère, l'utilisation des données publiques et mènera à un meilleur accès aux données et permettra aussi l'accès des entrepreneurs et des start-up aux données et permettra aussi aux habitants d'avoir une participation plus forte dans l'analyse des données. Ce nouvel outil législatif, j'en ai mentionné ici aussi la loi concernant l'intelligence artificielle, la première loi de ce type qui veut mieux réguler l'espace numérique. Cette loi concerne une réflexion approfondie sur les services numériques et la garantie de ce que les plateformes respectent les droits de l'homme. Et souvenons-nous, que les plateformes numériques telles que les médias sociaux ou encore les engins de recherche sont des plateformes desquelles on parle ici, qui doit prendre la responsabilité pour le respect des droits de l'homme. Transparence, accès des données pour les chercheurs, accès aux données pour les ONG, accès à l'information pour les organisations qui vont contrôler les plateformes numériques dans les aspects du respect des droits de l'homme. Il faut agir de sorte à ne pas recommander des systèmes ou algorithmes qui ne servent qu'à gagner de plus en plus d'argent, mais qui sont aussi des plateformes responsables. Les plateformes numériques, ça va de soi, qui proposent des biens et des services de manière crédible. Digital Market Act est une loi qui se pose en tant qu'objectif un équilibre des pouvoirs. Les plateformes numériques proposent des services très importants. Elles sont importantes surtout pour les PME. Nous tenons à ce que les PME aient accès aux plateformes numériques, qu'elles puissent bénéficier de leur activité. Et les plateformes, elles, en tant que telles, à promouvoir la diversité, la justice et l'innovation. La démocratie se développe aussi grâce à notre capacité à créer de l'innovation, ainsi que grâce à la promotion de la participation de la société. Pour terminer, j'aimerais dire que la loi concernant l'intelligence artificielle aussi tend à nous faire percevoir cette intelligence artificielle comme un don pour l'humanité et comme un don que nous pouvons contrôler de manière appropriée. Nous voulons aussi que de manière appropriée soit régulée l'analyse de risques liés à l'utilisation des outils aussi avancés que l'intelligence artificielle. C'était en très bref le résumé de ce que nous faisons, ce à quoi nous travaillons. Évidemment, nos efforts se concentrent aussi sur les innovations sur Internet, sur le contenu qui sont publiés sur Internet, de nouvelle génération, comme nous l'appelons. Et ce sont des efforts qui ont lieu depuis un certain temps déjà. Et moi, je vous remercie pour l'invitation à participer dans ce panel. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je sais que vous avez d'autres obligations et que vous devez nous quitter bientôt. Mais bien sûr, si vous en avez la possibilité, je vous invite à rester avec nous. Je voudrais maintenant vous présenter M. Koudambiou, directeur général de la FAO, le directeur de la FAO, qui s'adressera à vous dans quelques instants, en ligne.
Oui, tout d'abord quelques excuses de ma part. Je vais devoir remplacer le directeur qui n'a pas pu. Présentez-vous dans ce cas. Nous allons aussi modifier les sous-titres. Massimo Torero, spécialiste en questions économiques à la FAO. Bien, votre voix nous suffira amplement. C'est très bien que vous soyez avec nous. Merci. Les techniques modernes ont une grande influence sur le fonctionnement, le mode de vie de nos sociétés. Les nouvelles techniques modifient les marchés, modifient l'économie, l'activité économique. Et ça a été notamment le cas lors de la pandémie de COVID-19. Nous voyons, nous faisons face au phénomène qui est celui de l'exclusion numérique. Nous estimons à une somme entre 428 milliards et 2 billions de dollars, l'ampleur des investissements qui seraient nécessaires pour pouvoir combler ces retards, ce gouffre social, et faire en sorte que tous aient accès aux techniques modernes. C'est dans cette optique que s'inscrit le sommet auquel nous participons aujourd'hui. Bien sûr, cela demande de grands efforts de notre part pour ce qui est de la formation, de la création de politiques nationales appropriées, ainsi qu'une véritable coopération internationale pour qu'on ait le niveau d'investissement dont nous avons besoin. Il faut une plateforme qui va nous permettre d'utiliser le potentiel de choses comme FinTech, mais autres aussi, ainsi que diverses interventions qui pourront nous permettre un développement durable. La FAO est en permanence à la recherche d'innovation pour ce qui est des données, de la technologie, mais aussi d'autres aspects visant à pouvant permettre d'accélérer la transformation numérique, notamment dans le secteur de l'agriculture. En effet, tout cela est lié aux importantes possibilités de marché. Nous voulons que les agriculteurs soient plus engagés dans ce qui se passe en matière de nouvelles technologies. Souvenons-nous que le potentiel est immense. Le potentiel pour ce qui est des informations, pour ce qui est du changement climatique, pour ce qui est de l'élargissement de divers types de réseaux et de blockchain. Tout cela nous permettra de construire de la confiance et d'améliorer la sécurité alimentaire. Nous avons besoin de produits financiers qui seront adaptés aux besoins des petits récipiendaires. Nous voulons aussi organiser diverses initiatives. Nous travaillons maintenant à une initiative qui s'appelle l'initiative des 1000 villages. Il s'agit ici de mettre en avant, de promouvoir l'évolution numérique dans les campagnes, justement dans le monde entier, pour inciter un peu les agriculteurs à embrasser la révolution technologique, la révolution numérique. Il s'agit, ça montre aussi l'engagement de la FAO dans les zones un peu plus reculées, pas seulement dans les mégalopoles. Bien sûr, ce type d'initiative se doit d'avoir un volet social, et c'est ce que nous faisons. Il s'agit d'améliorer l'information, la communication. En juillet 2020, la FAO a lancé une nouvelle plateforme. Ce sont des services en ligne. Ça permet de créer, de faire une cartographie interactive, analysant les tendances et identifiant les nouvelles possibilités de mise en application de nouvelles solutions. Et donc, cette plateforme permet de créer une matrice, une cartographie de la situation du point de vue agriculture, du point de vue de la création de politique, et permet aussi de dialoguer, de mener un dialogue qui lui va améliorer la position et le potentiel des agriculteurs. La FAO collabore avec diverses entités de manière à assurer la transformation vers une agriculture plus efficace, plus inclusive socialement et plus résistante. Et puis aussi qui va assurer, faire en sorte que chacun puisse gagner son pain. Pour ce faire, les techniques numériques, pour pouvoir améliorer la situation, il faut que ces outils soient accessibles au plus grand nombre. Merci beaucoup, M. Torero, pour cet apport à la discussion et pour ces remarques. Je vais me présenter aussi une deuxième fois, peut-être, Arturo Di Corinto. Je suis journaliste, je suis auteur de livres et de manuels pédagogiques. Je viens d'Italie et je vais un peu vérifier. Je vais vérifier ce que j'ai entendu dire. Et je vous demanderai d'être cohérent dans vos discours.
car je serais impitoyable. Je serais impitoyable. Avec nous aujourd'hui, Abed Aziz Dahi, qui n'a pas pu se connecter précédemment. Il aurait dû se connecter avant, mais il n'a pas pu. Il est là maintenant, ministre de la transformation et de la modernisation de la République islamique de Mauritanie. Si vous êtes avec nous, je vous propose de prendre la parole. Oui, merci beaucoup de me donner la possibilité de prendre la parole lors de ce colloque particulièrement intéressant. Je voudrais juste rappeler que en 2030, 2030 sera une année particulièrement importante pour ce qui est du programme des Nations Unies pour un développement durable. On y souligne l'importance de la création d'une société inclusive orientée sur le développement durable. Cette société doit placer l'individu au centre des préoccupations. Grâce à cela, nous pourrons apporter notre pierre à l'édifice qui est la recherche, la lutte contre le changement climatique et les ODD, ainsi que la lutte pour la biodiversité. Et ça nous permettra aussi de relever divers défis liés à l'environnement et à assurer un accès égal et juste aux ressources que sont l'éducation, etc. Et dans ce but, il nous faut protéger les droits principaux, les droits de base de chaque individu. Les plateformes peuvent rejouer un rôle crucial en la matière. En Mauritanie, chez moi, nous faisons face souvent à des carences en ressources, mais nous essayons de miser sur les techniques numériques et d'assurer le développement humain et économique. Cela nous permet aussi de faire en sorte que les services publics voient leur qualité augmenter avec un accès aux données disponibles de plus en plus améliorées. C'est pourquoi le gouvernement aussi s'est préparé un processus de numérisation, un projet qui a été lancé en 2016, époque à laquelle nous avons mis au point un cadre juridique autour de la gestion des techniques numériques. Et c'est aussi en 2016 que nous avons souligné l'importance de la société de l'information et de l'utilisation des données. L'importance aussi de toujours mener ce type de processus de manière inclusive socialement. C'est ce que nous avons réussi à faire. D'ailleurs, et en 2017, une loi a été adoptée concernant la protection des données privées, des données confidentielles, créant un cadre juridique nous permettant d'aller vers un traitement sûr, fiable et légal qui nous permet d'apporter des services numériques honnêtement et en même temps de manière efficace. Ce qui c'est une loi qui assure la sécurité des droits primordiaux des individus dans une société de l'information. En 2018, une autre loi est passée concernant les transactions électroniques ainsi que les services électroniques. Cette loi faisant allusion à divers services liés, entre autres, à l'accueil des données sur les sites Internet ainsi qu'à la publication de données électroniques. Des initiatives particulièrement importantes ont été prises afin de se préparer au changement, à la révolution numérique. Merci beaucoup, merci beaucoup. Passons maintenant à la conclusion, si vous le permettez. Certes, vous savez, c'est pour moi très important, c'est un moment très important. En effet, je voudrais ici souligner une chose, c'est que nous devons redoubler d'efforts afin que les pays en développement misent plus sur l'inclusion, sur une politique sociale inclusive. Merci. Merci, monsieur le ministre. Je vous rappelle qu'il s'agissait de monsieur Abed Aziz Dahi, ministre de la Transition numérique et de la Modernisation de l'administration en Mauritanie. Nous avons maintenant un autre invité, madame Najat Mala Mjid, invitée spéciale, représentante du secrétaire général aux affaires concernant les violences faites aux femmes et enfants, un sujet qui, bien sûr, est de toute importance. Merci beaucoup. Je voudrais souligner
quelques aspects. En 2008, j'étais effectivement rapporteur, rapporteuse. Je m'occupais de la vente de l'exploitation des réseaux pédophiles. Je voudrais vous dire que les plateformes numériques peuvent permettre d'aider à créer un espace plus inclusif pour les enfants. Il ne s'agit donc pas ici seulement de placer les droits de l'homme au centre des préoccupations, mais aussi les droits de l'enfance. C'est particulièrement essentiel. Il faut prendre en considération l'aspect sécurité, l'aspect protection de l'accès, mais aussi la liberté d'expression et la protection de la confidentialité. Si nous voulons que l'accès à Internet soit effectivement inclusif, eh bien, il nous faut d'abord régler le problème de la non-inclusion numérique qui concerne 2/3 des enfants en âge scolaire de par le monde. Pour ce qui est de la liberté d'expression, je considère que c'est vrai, nombreux sont les enfants qui peuvent jouir d'une certaine liberté d'expression justement via les plateformes numériques. Mais il faut faire attention, il faut faire en sorte que l'espace qu'est Internet soit un espace sûr qui permette aux enfants de s'exprimer librement. Et ça, je dis ça dans le cas des arrestations d'enfants ou d'adolescents, où parfois les enfants et les adolescents qui sont arrêtés sont privés de tout droit d'expression. Et puis ensuite, il y a la protection des données, la confidentialité. Malgré la mise en application, l'entrée en vigueur de nombreux instruments législatifs, eh bien souvent, la protection des données personnelles des enfants n'est pas suffisante. Et ici, je soulignerai encore une chose, à savoir la protection, notamment dans le contexte de la violence en ligne. Souvenons-nous d'une chose, c'est qu'il nous faut absolument protéger les enfants de ce type d'abus et de la violence sexuelle via Internet également. Nous le savons, grâce à un rapport qui a été publié il y a peu, nous savons que nous sommes témoins d'une légère augmentation des abus en ligne. 77% on a eu une augmentation de 77% des contenus de type sexuel dirigés vers des enfants, adressés à des enfants entre 2019 et 2020. On estime que 54% des enfants ont été exposés à des contenus à caractère sexuel qui ne sont pas bons pour eux. Et nous considérons que les mesures qui ont été prises afin de contrecarrer cette tendance n'auront pas été suffisantes. Et ne le sont pas. Malgré les partenariats qui se sont liés, malgré les coalitions, malgré les bonnes volontés, malgré l'identification des points d'amélioration, de nombreux défis continuent à se dresser sur la route, avec le streaming, par exemple, le direct en ligne sur Internet. On a des images d'enfants aussi qui apparaissent, qui sont parfois utilisées à but commercial. Ça, c'est un gros problème aussi. Le darknet constitue un problème important. Et puis, de très, très souvent, ce qui se passe, c'est que les criminels utilisent le darknet pour avoir accès aux enfants. Nous savons que les formes de violence qui sont appliquées contre les enfants sont diverses et variées. On parle de cyber-persécution. Mais c'est aussi la désinformation, c'est aussi les fake news et c'est aussi le fait que des enfants soient parfois recrutés via Internet pour exercer ensuite des activités illégales. Merci Madame Najat Mala-Mjid pour ces contributions importantes, enrichissantes et instructives. Nous vous prions de nous présenter des suggestions d'activités simples, des choses que nous pourrions faire ensemble pour prévenir ces phénomènes. David Jenafi, qui est assistant directeur général pour la communication et l'information de l'UNESCO. 2 minutes pour vous. Je vous en prie. J'espère que vous m'entendez. Je pense que nous sommes tous d'accord quant au fait que les plateformes numériques ont aussi cette dimension sombre liée aux extrémismes, à la violence,
Et ces phénomènes ont tendance à se renforcer maintenant. J'appellerais ça de l'infodémie. Alors comment faut-il qu'on réagisse à ce type de d'enjeux? Dans l'UNESCO, nous voyons qu'il y a trois types d'activités qu'on peut mener. La première option, c'est laisser faire. Mais là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre parce qu'une telle approche mène, par exemple, à la dissémination de la désinformation et des pratiques dont je vous parlais. Dans certains pays, on mise sur la réglementation concernant le contenu numérique. Mais ceci est lié à un certain risque parce que l'excès de régulation peut limiter les libertés d'expression et ce n'est pas quelque chose de bon ni pour les droits de l'homme ni pour la démocratie. Alors la question est là, y a-t-il une troisième possibilité? Nous croyons que oui. En quoi elle consiste? Il s'agit, je pense, d'essayer de miser sur la transparence. Nous voulons à ce que les sociétés qui sont présentes dans la zone numérique parlent de manière transparente des actions qu'elles mettent en place. Qu'est-ce qu'elles font et quels sont les impacts de ces actions? Aujourd'hui, de plus en plus largement, nous utilisons l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle technologie. Le mois passé, sur le forum de l'UNESCO, 193 pays ont adopté les recommandations de l'UNESCO concernant l'action éthique des mécanismes d'intelligence artificielle. Il nous semble que c'est un document normatif qui est un game changer parce qu'il s'agit ici de faire à ce que tout reposera sur les droits de l'homme et sur l'approche multifacette. Nous devons aussi bâtir un potentiel en ce qui concerne ces questions. Donc ici, par exemple, nous misons sur la possibilité de perfectionner les compétences, par exemple des employés de l'administration publique ou de la protection de loi. Nous avons formé 23 000 personnes du secteur de la justice en matière justement des standards internationaux des droits de l'homme, de la liberté d'expression et aussi de la sécurité de l'activité journalistique, etc. Nous avons mené un cours sur Internet sur la loi et sur l'intelligence artificielle. Tout cela nous permet d'être plus proche de l'objectif que nous sommes fixés, qui est de limiter le risque lié aux technologies numériques, plateformes numériques, etc. Souvenons-nous que nous pouvons faire en sorte à ce que la situation soit plus sûre. Nous pouvons du moins limiter les impacts négatifs liés à l'utilisation des plateformes numériques. Merci pour ce message si clair. Maintenant, je donne la voix au panéliste suivant, M. Josh Kalmer, qui est chef de la politique publique chez Zoom. Merci beaucoup. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je représente une société technologique. Je dois être le seul ici à ce forum. C'est un grand privilège et un grand honneur parce que nous, en tant que société technologique, nous nous sentons responsables et nous avons aussi contribué au développement de ce débat. Je pense qu'il y a trois grands facteurs majeurs qu'il vaut la peine de mentionner lorsque nous parlons de ces sujets, qui sont la garantie pour que notre initiative des activités soit sûre en ce qui concerne l'inclusivité, l'inclusion et la résolution de challenges qui sont devant nous. Le premier élément, c'est la confiance. Donc, les sociétés technologiques doivent avoir des outils, doivent adapter une approche appropriée et avoir des connaissances qui permettent d'éveiller la confiance de l'opinion publique. Nous devons donc assurer aux utilisateurs de nos plateformes les outils qui vont assurer la sécurité des interactions sur nos plateformes. Nous devons leur assurer le respect de leurs droits lorsqu'ils utilisent ces technologies. Élément suivant, c'est la transparence. Nous avons déjà entendu parler, les sociétés technologiques et autres sociétés doivent communiquer de manière très transparente ce qu'elles font, comment elles approchent les contenus qui peuvent être publiés sur les plateformes et qui peuvent être non conformes à la loi, qui peuvent être nocives,
Donc il faut approcher ça très sérieusement, il faut assurer la transparence en cette matière. Nous devons définir des standards de transparence, nous devons assurer des mécanismes de reporting en cas d'enfreinte. Souvenons-nous que des sociétés ne sont jamais identiques. Une société comme Zoom a quelque chose de tout à fait différent que les médias sociaux. Nous avons tous beaucoup à faire. Nous nous sentons responsables de la mise en œuvre de nouvelles technologies. Et comment ces technologies seront mises en œuvre de manière sûre pour assurer la sécurité de tous les membres qui sont impliqués dans la création dans cet écosystème. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Monsieur Kalmer était notre invité. Il y a quelque chose qui se passe ici sur la scène. Je demanderai à ce que nous puissions tous voir ces banners qui sont devant nous sur scène. Il y a des jeunes gens avec nous qui veulent que leur voix soit entendue. Permettons-le. Je demanderai à l'équipe technique de nous soutenir parce que nous misons tous sur la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous voulez nous transmettre ? Nous voulons exprimer notre protestation. Nous ne sentons pas libres, nous ne sentons pas en sécurité. Notre liberté est limitée par le grand business, par les grandes internationales. Notre liberté est en danger. Et la liberté, c'est la protection de la vie privée, c'est la protection de nos droits. Nous, en tant qu'utilisateurs d'Internet, nous ne nous sentons pas en sécurité, nous ne nous sentons pas libres. Et pourtant, 10 millions de gens, c'est des personnes qui travaillent et qui vivent dans l'économie numérique. Et la surrégulation fait que leurs libertés sont limitées. Nous avons entre nous les représentants de tous les groupes qui sont représentés au Parlement européen. Et pourtant, il n'y a pas encore de loi cohérente dans l'Union européenne en ce qui concerne la protection des employés dans la dimension numérique. Nous vous demandons de s'en occuper. Notre voix devrait être entendue dans le monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos voix. Montrons nos banderoles qui ont été apportées ici sur scène. Nous demandons à l'opérateur de la caméra. Je ne vous vois pas sur l'écran. Je vous prie de nous montrer sur l'écran, que tout le monde puisse nous voir. Je suis journaliste. Je sais être conséquent dans ce que je revendique. Je suis Casper. Et j'aimerais souligner qu'on a besoin d'une réforme du système de publicité sur Internet. C'est un problème qui est très important. Nous devons se souvenir que les sociétés ne tiennent qu'à obtenir des données des utilisateurs. Alors, c'est contre la loi. Les publicités pop-up apparaissent sur toutes les vitrines Internet. Personne ne les lit. Il s'agit de forcer les gens à cliquer sur OK. Les pop-up doivent être limités et il faut qu'on mette en œuvre des lois qui vont réformer les publicités de ce type. Souvenons-nous que c'est un problème sérieux. Ce type de contenu peut mener à la polarisation. Ici, on parle d'Internet uni, alors faisons en sorte qu'il soit uni pour les utilisateurs et non pas pour les grands internationaux. Je m'adresse à tous ceux qui nous sont ici dans cette salle. Nous savons qu'il y a des représentants de grandes sociétés ici dans cette salle. Nous vous demandons de soutenir nos demandes. Merci beaucoup. Merci pour cette voix si intéressante dans la discussion. Nous nous excusons pour cette pause brève. Il me semble qu'il est important que l'on entende la voix des jeunes gens aussi. C'est pour cela que nous sommes ici, d'ailleurs. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous entendrons encore une voix. Madame Nayad. Ah non, pardon. Le modérateur a fait une faute.
Madame Wendy Hu-Kong-Chung, chercheuse à l'Université de Simon Fraser au Canada. Je vous passe la parole, madame. Merci beaucoup. Et je vous remercie d'avoir permis à ces personnes de s'exprimer. Je voudrais souligner le fait que nous devons donner la voix à un groupe qui historiquement était exclu. Et c'est grâce à l'implication de ces groupes que nous sommes en état de mieux comprendre comment les technologies, comment les solutions technologiques peuvent contribuer à améliorer la justice dans l'espace numérique. Un exemple classique est la modération du contenu. La modération automatique du contenu a été mise en place parce que les jeunes étaient très souvent objets d'attaques en ligne. Le problème consiste dans le fait que ce système, très souvent, vise le même groupe. Donc, par exemple, un tel groupe, ça peut être des personnes de couleur noire qui deviennent objets de haine. Ceux qui se penchent sur le racisme, très souvent, sont exclus de ces débats. L'un des premiers groupes qui était objet de la censure en ligne étaient les activistes de la société LGBTQ. Parce que les standards qui ont été introduits pour modérer les contenus sur Internet, souvent, étaient exploités en tant qu'outil de promotion du racisme. C'est pour cela que nous voulons maintenant promouvoir une égalité accentuée sur Internet. Nous voulons lutter contre la discrimination de groupes sociaux ou raciaux, mais aussi à impliquer la société citoyenne. C'est pourquoi nous voulons que des groupes très hétérogènes de citoyens soient impliqués dans ce débat. C'est ce qui se passe au Canada. Nous voulons trouver de nouvelles recommandations. Ces recommandations seront publiées en janvier. Nous devons exécuter notre travail de recherche de manière très consciencieuse. Nous ne pouvons pas reposer uniquement sur les... ceux qui nous signalent les mauvais phénomènes. La loi doit aussi garantir l'accès aux données pour les chercheurs. Je le souligne, cet accès. Mais je veux aussi dire que la transparence est importante, mais insuffisante. Les chercheurs doivent avoir accès à ce que font les grandes internationales. Nous devons assurer un accès vraiment démocratique pour les chercheurs au monde entier. Merci beaucoup. Nous avons entendu Madame Wendy Hu-Kong-Chung. Et je suis d'accord avec la majeure partie de ce que vous avez dit. Devant nous, Madame Najat Maala Mjit, membre du conseil d'administration de Facebook. Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de participer. Je suis activiste, militante de ce qu'on appelle communément et très globalement le Sud. J'apprécie vos efforts. Je suis contente de voir que vous avez donné la parole à cette jeunesse, à ces jeunes qui sont venus sur la scène. En tant que membre du conseil d'administration, je voudrais aussi vous dire quelques mots sur ce dont nous nous occupons et comment nous essayons de faire en sorte de faire en sorte que la société soit plus inclusive. Je suis très contente de pouvoir être ici avec vous, en si bonne compagnie, quoique en ligne. Et je dois dire que je suis représentante, je représente un
un ensemble de gens vraiment divers et variés, au niveau linguistique, au niveau politique, au niveau culturel, religieux, au niveau des pays d'origine. Nous croyons profondément, nous chérissons la liberté d'expression et c'est notre point de départ. Nous suivons la manière dont la liberté d'expression peut affecter la question du respect des droits de l'homme et ce qu'elle signifie pour les utilisateurs d'Internet. Dans ce modèle, avant tout, nous essayons d'assurer le respect de la liberté d'expression de tous les utilisateurs d'Internet. Nous voulons que dans tous les pays du monde, les règles qui sont en vigueur soient les mêmes, surtout dans les pays où la liberté d'expression est déjà mise à mal. Il est important que nous remarquions l'ampleur de la modération sur Internet. Il faut absolument faire évoluer cette situation. Au centre, on met les valeurs, des valeurs considérées comme du point de vue des États-Unis et de l'Europe. Il me semble que je crois vraiment qu'on a besoin d'une vue indépendante et globale, qui ne soit pas un point de vue juste d'une nation, d'un pays sur un autre, mais qui prenne en considération complètement l'impact global des décisions qui vont être prises. Et je voudrais aussi voir que nous voyons tous ensemble de manière à responsabiliser plutôt que de manière uniquement à protéger les utilisateurs et de ne pas se contenter de leur parler, mais de travailler, de discuter avec eux, de le prendre en considération. Merci pour ce point de vue. Je voudrais maintenant vous présenter un intervenant de dernière minute, à moins que quelqu'un ne veuille prendre la parole. Non ? Eh bien, dans ce cas, je vous remercie. Il nous reste maintenant un peu moins de 15 minutes. Je voudrais donc que vous repreniez la parole et que publiquement, vous nous racontiez des mesures concrètes prises par vous pour protéger vos enfants lorsqu'ils utilisent Internet, protection de données personnelles, de données à caractère privé. Parce que ce qui me revient à l'esprit toujours, ce sont les mots de Francis Hogan au Congrès des États-Unis. C'était des mots concernant le modèle commercial d'une entreprise qui ne s'inscrit pas dans les règles, qui ne respecte pas en tout cas les règles, nos règles pour ce qui est du respect des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Je voudrais maintenant vous entendre sur le sujet. Madame Nayat Malamajid, vous voyez de quoi je veux parler ? Oui, je pense que je vois de quoi vous voulez parler. Je pense que nous, effectivement, nous sommes en mesure de plus encourager plus de signaleurs, de lanceurs d'alerte. Mais je voudrais vous parler de ce que l'on fait en tant que conseil de supervision sur Facebook. À savoir que nous sommes penchés sur des problèmes véritablement concrets. Nous avons adopté 17 décisions et avons publié 95 recommandations concernant le respect des droits de l'homme sur la plateforme Facebook. Je pense que nous allons dans la bonne direction. Et effectivement, Facebook a accepté la majeure partie de nos recommandations. Si vous croyez maintenant que notre conseil d'administration peut améliorer Facebook plus avant encore d'elle-même, vous vous trompez. Nous avons un rôle à jouer, un rôle important bien sûr, mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin d'une coopération avec de nombreuses parties prenantes. Nous faisons des efforts importants
pour aller vers plus de transparence, nous avons mené une sorte d'expérience. Il s'avère maintenant que ces mécanismes de régulation que nous avons essayé de mettre en application sont effectivement efficaces. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette nouvelle contribution. Moi, je dois dire que j'ai supprimé mon compte sur Facebook. Et je ne me sers pas non plus de WhatsApp, d'ailleurs. Mais j'expérimente un peu, je m'amuse avec Instagram, je m'y essaie. Les gens disent que l'utilisation des réseaux sociaux n'aide en rien, et n'aide à rien, et n'aide certainement pas à créer en tant que faire valoir pour les jeunes, mais bon. Madame Wendy Hu Kyung-shun, voulez-vous prendre la parole? Oui, je pense qu'il est important que nous travaillions ensemble avec les représentants de nos communautés de manière à mieux comprendre de manière les gens utilisent les nouveaux outils technologiques. Il faut aussi porter un regard critique sur ce qui ne fonctionne pas, pour ce qui est notamment de la prolifération de la désinformation. Nous savons que c'est important. Bien souvent, ce qui se passe, c'est que les gens partagent des fake news parce que, tout simplement, ces fake news sont plus sensationnalistes, plus spectaculaires et donc plus attrayantes que les vraies informations. Donc, c'est une question de modèle commercial. Nous avons réfléchi à la question de savoir, la façon dont on pourrait créer de la confiance réciproque en nous appuyant sur les plateformes numériques. Je pense qu'il faut réfléchir de manière critique et porter un regard critique sur les solutions et les contenus que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Et à moins, il faudrait mettre en application de nouvelles solutions. Des nouvelles solutions qui lutteront contre la dissémination, la distribution de désinformations en ligne. Merci beaucoup pour ces commentaires. Avant que nous ne passions à la suite, je voudrais demander à l'équipe technique de faire passer un film qui est un enregistrement avec Michel Bachelet. Chers collègues, c'est un plaisir de participer à ce colloque. Sur tous les continents, des milliards d'individus ont recours aux plateformes de communication numérique afin de chercher un emploi, afin d'organiser des campagnes, afin de récolter des informations, afin d'avoir recours à des services commerciaux, médicaux. Ces plateformes sont absolument cruciales pour le développement d'un espace global, électronique, sûr, efficace, divers, inclusif. Des décisions particulièrement importantes nous attendent. Je voudrais commencer par dire que parmi une moitié de la population mondiale, en fait, presque la moitié de la population, on reprend, la moitié de la population mondiale vit hors ligne, offline. Nous avons encore du mal aujourd'hui à régler les problèmes de connectivité mondiale. On a des problèmes bien sûr plus graves encore, comme la violence, comme la pauvreté, mais qui sont sous-jacents à cela, en fait. Et très souvent, l'accès à Internet est coupé, précisément là où les droits de l'homme les plus primordiaux ne sont pas respectés. Et là aussi, les populations n'ont pas accès à des informations fiables. S'il nous faut maintenant former une société inclusive, il nous faut garder à l'esprit le rôle des plateformes numériques qui joueront un rôle primordial à l'avenir. Brutale est la propagande des terroristes, les appels à la haine, les appels à la violence, la distribution, la dissémination de fausses informations, tout cela se fait à l'aide des plateformes numériques. Et alors que les plateformes numériques pourraient aider à une meilleure communication et aider à répartir la connaissance, à apporter la lumière, on voit que c'est le contraire qui se passe dans bien des cas. Nous devons donc
ensemble, travailler à des campagnes de lutte contre la désinformation, lutter contre les campagnes de désinformation aussi, parce que la désinformation est bien souvent très organisée. Il faut savoir qu'Internet est un trésor de connaissances pour les agences gouvernementales, mais aussi, mais qu'en même temps, Internet doit être surveillé, doit être régulé. Il est parfois difficile, voire impossible, pour les usagers d'Internet d'avoir une image véritablement nette et fidèle de la manière dont les décisions sont prises pour ce qui est des contenus qui sont publiés en ligne. Nous parlons maintenant de nombreuses nouvelles lois concernant les contenus publiés en ligne. Nombreuses sont les lois qui posent une menace au respect des droits de l'homme, parce qu'un contenu illégal ou un contenu considéré comme nuisible, c'est parfois un tiroir assez large, une étiquette un peu grosse, c'est-à-dire qu'on a tendance à classer des choses, des contenus un peu trop facilement comme illégaux, comme nuisibles. Donc attention à ne pas tomber dans la censure. Donc voilà, comment faire en sorte pour que l'espace qu'est Internet soit un espace de liberté, de sécurité et d'inclusion. Là, le développement durable qui met au centre de tout les droits de l'homme doit être notre but commun. Chers collègues, les plateformes Internet jouent un rôle particulièrement important pour ce qui est de la création d'un modèle numérique du monde. Elles exigent donc un respect des droits de l'homme et des outils nous permettant de faire respecter les droits de l'homme. En même temps, nous avons besoin, et ça fait partie des droits de l'homme, d'une véritable liberté d'expression sur Internet. Partant, nous ferons tout notre possible pour déjouer les tentatives de persécution, de discrimination. Il nous faut aller vers plus de transparence dans le processus de prise de décision. J'attends avec hâte les résultats de vos discussions. Merci beaucoup. Madame Michelle Bachelet, merci pour cette contribution, commissaire des droits de l'homme aux Nations Unies. Et maintenant, Madame Simonetta Sommaruga. Mesdames et Messieurs, les plateformes numériques peuvent être bénéfiques, profitables de diverses manières, car elles permettent de chercher et de trouver des informations et permettent aussi de participer activement au débat public. Elles favorisent aussi la diversité des opinions et donc la richesse intellectuelle de la société dans son ensemble. Et en même temps, ces mêmes outils peuvent avoir une influence, des impacts négatifs, notamment pour ce qui est de la dissémination des discours de haine et de la désinformation. Autrement dit, des mensonges. Ce sont souvent des algorithmes qui décident de ce que nous allons voir. Et ça va rétrécir la bulle informative dans laquelle nous vivons. Et ça pose un problème de démocratie. Les jeunes, car sans information, il n'y a pas de démocratie. Les jeunes, souvent, ne s'informent que comme cela. Donc une bonne démocratie demande des médias, une pluralité de médias forts et indépendants, sans lesquels il n'y a pas de débat public. Les médias numériques doivent participer à la discussion, se doivent de fonctionner de manière transparente, de manière à assurer que les activités menées le soient dans le respect des standards de base. Souvenons-nous que la numérisation a une influence non seulement sur la communication publique, mais concerne en même temps tous les secteurs et aspects de la vie, tels que la santé, le transport, l'éducation ou encore l'énergie. Nous devons faire en sorte que les gens contrôlent en permanence leurs données. En Suisse, nous penchons sur ce sujet depuis un certain temps et nous en parlerons demain
lors du forum ouvert, à savoir de cette conférence qui concernera bien sûr ces sujets essentiels. Souvenons-nous qu'Internet n'est pas un espace ayant vocation à être au-dessus de la loi. Internet doit être un espace de confiance, de sécurité, car tous, autant que nous sommes de par le monde, devrions avoir la possibilité de jouir des aspects positifs d'Internet. IGF est une plateforme d'échange d'opinions et d'expériences entre les représentants de divers milieux et dont des plateformes numériques. Je voudrais remercier le gouvernement polonais pour l'organisation de cet IGF 2021, profitant de l'occasion pour remercier le secrétaire général des Nations Unies d'avoir décidé de créer, d'organiser ce colloque des leaders de l'IGF, grâce à quoi l'IGF va pouvoir fonctionner, pouvoir avoir encore plus d'impact sur le cours des choses, sur le développement en matière numérique, tout en permettant la mise en application de l'accord numérique mondial. La Suisse continuera de soutenir l'IGF dans ses activités. Je vous remercie une fois encore pour cette initiative. Merci. Josh Kalmer, vous avez 30 secondes. Voudriez-vous ajouter quelque chose ? Oui, je voudrais dire qu'il est très important que les entreprises s'engagent dans ce qui se passe, que les entreprises soient ouvertes à une éventuelle vérification de leurs activités, de manière à créer, à co-créer des solutions, car nous avons fort besoin du secteur privé, des entreprises privées. Nous protégeons les valeurs, nous voulons être formés, nous voulons communiquer avec toutes les parties prenantes, avec tous ceux qui sont intéressés par ces sujets. Merci. Et essayer de faire en sorte que nos données restent en sécurité à l'avenir. Monsieur Torero, 30 secondes pour vous aussi. Voudriez-vous ajouter quelque chose ? Je ne vous vois pas à l'écran. 30 secondes, s'il vous plaît, Monsieur Torero. Non, je n'ai rien à ajouter. Je pense que tout a été dit. Je voudrais simplement souligner l'importance de l'inclusion sociale, l'inclusion de la responsabilité, de la transparence pour ce qui est des informations. Et oui, engager les secteurs privés et les individus. Il faut que les entreprises aussi échangent leurs expériences et leurs connaissances sur le sujet. Merci beaucoup. Dans ce cas, nous aussi luttons contre la désinformation, contre les fake news. Et j'espère que nous aurons la possibilité à l'avenir d'en reparler et de reparler aussi des blockchains ainsi que des crypto-monnaies, ainsi que de leurs implications pour les agriculteurs. Quant à vous, monsieur Taoufik Gelassi, que voudriez-vous ajouter ? Il était dit qu'on avait besoin de transparence. Je suis heureux que ce soit bien entendu, ça a été bien dit par les autres panélistes. J'aimerais aussi ajouter qu'il y a quelques mois, l'UNESCO a publié un rapport important où il s'est référé à 26 indicateurs qui peuvent aider à améliorer la transparence, en particulier en ce qui concerne l'activité des sociétés Internet. Grâce à ces indicateurs, on peut assurer un meilleur fonctionnement du secteur. Je vous encourage à prendre connaissance avec ces indicateurs. Et je voudrais dire ici que pendant cette rencontre, l'UNESCO est responsable pour l'organisation de 9 sessions thématiques. Je vous invite à venir les écouter. Là, on peut discuter plus largement sur notre rôle. Merci beaucoup. Merci pour votre voix. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un bon après-midi et des débats très fructueux.